Salut à tous et à toutes, c'est Panix, comment allez-vous? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc, on est sur Titanfall, on est en match compétitif, c'est la finale d'un tournoi G4G Fun qu'on a fait lundi dernier même. Nous sommes face au XS, à Camnew plutôt. Et puis, je crois que c'est tout, c'est le premier match, la première domination. Donc je vais vous montrer ce gameplay en deux parties. Je vais vous montrer juste le premier stade de domination parce que le deuxième était moins sympa à regarder pour vous comme d'habitude. Je mets en avant mon kill death ratio parce que, enfin, pas forcément, mais au moins que je fasse beaucoup d'actions. Parce que si vous regardez un gameplay un peu ennuyeux où je me fais que tuer, où je fais que me faire tuer, c'est pas très intéressant pour vous. Alors voilà, et puis le deuxième ça sera un side, le dernier side de domination, enfin non, premier side de domination sur Angel City qui sera la dernière map. Donc je vais vous le dire, on a gagné ce tournoi. C'était un tournoi un peu fun, il y avait les SOC qui participaient, XS, BH3 qu'on avait joué avant où on n'était pas du tout motivé. Et puis on a eu un free win comme d'habitude. voilà, ça c'était pour le petit résumé. Sinon, donc on a gagné ce tournoi 3-0 face au XS, 3-0 face au BH3, 3-0, c'est 2-0, pardon. Et puis voilà, je crois que c'est un peu tout. Sinon, moi j'ai beaucoup de choses à vous dire depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées au niveau du roster. Tout d'abord, vous l'avez peut-être déjà remarqué en regardant la barre de feed, mais nos GT ont changé. Effectivement, donc on est officiellement rentré chez Infamous. Infamous Esport, qui est une structure que beaucoup doivent connaître, surtout si vous venez... Enfin, ouais. Beaucoup doivent connaître tout court, tout simplement. C'est une très grosse structure en France. Franchement, je suis vraiment très fier de faire partie de cette structure. J'ai vu qu'ils étaient pas mal intéressés par le prochain tournoi qui arrive, là, le X1 TF Cup, dont je vous ai parlé la dernière fois, avec 10 000 euros de cash prize. J'ai parlé beaucoup avec eux, et en fait ils seraient motivés à aider, à faire un peu de pub pour que l'e-sport sur Titanfall puisse tout simplement se lancer. Il n'y a pas juste le temps d'un tournoi, ça serait franchement... eux, ils ne veulent pas avoir un roster qui soit juste pour le temps d'un tournoi, et nous, on aimerait bien rester plus longtemps aussi. J'espère vraiment qu'après ce tournoi Titanfall de Glory for Gamers et Microsoft, bah, tout simplement que ça continue, puis qu'on puisse faire d'autres tournois. En tout cas, TF Esport travaille dur là-dessus. Ils ont fait un partenariat d'ailleurs entre Infamous et TF Esport pour bien montrer qu'ils soutiennent un fond... la compétition, et je trouve ça vraiment très cool de la part d'Infamous. Puis, bon, c'est un peu tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, le roster ne change pas. Ricky, Lux, Sirka et Zora sont toujours avec moi. On est je vous mettrai en des liens. Alors, j'ai deux liens pour vous. C'est le lien de notre intégration à la structure Infamous. D'ailleurs, j'ai eu un petit interview. J'ai eu mon propre interview, si ça vous intéresse, donc je vous mettrai le lien dans la description, comme je l'ai dit. Ensuite, il y a surtout une autre news, dont je vais vous parler un peu plus précisément. C'est tout simplement un news qui annonce notre top 1 au dernier tournoi de la X1 TF Cup, c'est-à-dire les qualifications. Nous sommes donc qualifiés. Déjà pour le tournoi, le bracket final, l'arbre final, avec les phases de demi-finale qui sont toujours en online. Donc je répète, les phases de demi-finale en online, c'est 16 équipes qui se battent pour avoir la place en finale. La place en finale, c'est les deux équipes qui vont donc à Paris pour se disputer une finale tout simplement dans les studios de chez Microsoft. Et il y a à gagner 5000 euros de cash pour les premiers, 1000 euros de cash pour les deuxièmes. Et en plus, il reste encore beaucoup de cash prize, comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Pour
plus de précision, il faut aller voir chez Glory4Gamers. Il y aura aussi bien entendu la FaZe et la Vitality qui sont des équipes de chez Microsoft qui seront présents, ils feront des show match. Donc nous on fera la finale, puis après on fera des show match contre Vitality et FaZe, j'imagine. Ainsi que. Enfin, je dis nous, en supposant qu'on arrive à se qualifier. Déjà en train de dire qu'on y sera quoi. J'espère vraiment qu'on y sera. En tout cas, comme je vous ai dit, on a gagné les dernières qualifications et ça nous donne un très gros avantage. Ça nous permet en fait tout simplement d'avoir le seed 1. Donc si vous ne connaissez pas le système de seed, c'est tout simplement un classement. En gros, ça permet de classer les meilleures équipes du tournoi. Le principe est en fait que les meilleures équipes ne se rencontrent pas au premier tour parce que c'est un bracket à élimination directe. Si je me trompe pas, et donc ça serait vraiment bête de se retrouver à perdre, à devoir éliminer par exemple, je sais pas, une des meilleures équipes, genre les Socs ou les XS, alors qu'ils pourraient très bien mériter d'aller en finale, et ça serait franchement, franchement ballot. Ensuite, qu'est-ce que. Ouais, donc le but étant que techniquement. Au niveau du classement, l'équipe la plus forte qu'on devrait rencontrer, ce serait le seed 4. Le seed 4, c'est BH3. Malheureusement, les XS ont été éliminés par les SOC qui sont arrivés ce seed 2 lors de ce tournoi. Franchement, je pense qu'ils auraient pu mériter un bon seed, mais c'était serré. Et voilà. Tout simplement, c'est pas de chance. Alors maintenant, est-ce que nous on va les rencontrer dans notre arbre? Ça dépendra de leur classement, ça dépendra de ce qui se passe pour eux, ce qui se passe ce samedi. En tout cas, bah, j'espère qu'on se rencontre pas dans le tournoi parce que honnêtement, si nous on est qualifié, parce que nous on est, je suis le premier qui on veut qu'on soit qualifié, je verrais beaucoup les SOC ou alors les XS, et du coup ça me gênerait d'éliminer un des deux dès le début, et je trouverais pas ça très cool. Et on se retrouve donc sur le premier site d'Angel City, il y a 2-0 au score de la finale. Donc ça, comme je le répète, c'est l'ODC Fun qu'on a fait lundi, ça n'a rien à voir avec la X1 TF Cup, même si on a réussi à gagner 2,5 €. Oui, je crois que c'est ça, chacun, je me souviens plus, bref. Si je continue mon histoire, c'est que oui, donc les SOC et les XS, j'aimerais pas les rencontrer dans le premier round parce que déjà ça me gênerait de devoir les éliminer, et puis parce que ce serait eux que je trouve qui méritent le plus d'arriver en finale pour l'instant. Et Gaemoniac aussi qui sont pas mal du tout. Normalement, si le seed est bien fait, SOC et Gaemoniac on les rencontre pas. Comme Gaemoniac ils sont seed 3. Et ce serait les XS peut-être qu'on pourrait rencontrer, ça dépendra de comment ils se classent, comment se passe le seed exactement. Moi j'espère qu'ils seront seed 5, et puis je sais pas, après j'ai pas fait attention à comment à faire un arbre de 16 directement pour voir s'ils se tomberaient contre nous. Enfin bon, on va faire juste des suppositions, moi j'espère pour eux qu'ils arriveront seed 5. Aussi petite surprise du tournoi, enfin petite... C'est qu'on a eu une équipe à peu près star, entre guillemets, qui était une équipe de God en fait, tout simplement. Alors il y avait Zankyo qui dirigeait l'équipe avec Millennium Tonija, enfin Tonija de la Millennium tout court. Il y avait Millennium Bagger, je crois, un gars qui s'appelle Orex Haz. Et je suis désolé pour le dernier, je me souviens plus. Donc j'ai un gameplay, j'ai plusieurs gameplays contre eux. Alors ce qui était intéressant, c'est que tout simplement ils venaient de code. Ils étaient pas mal connus, donc ça pouvait aider à ramener un peu de monde, donc c'était sympa de leur part de faire le tournoi. Je les remercie pour ça. Petit souci, c'est que... Apparemment ils étaient most wanted, c'est-à-dire que tout le monde voulait absolument les descendre. Malheureusement, ils ont pas fait de TS, ils ont rien fait. Ils sont arrivés sur le tournoi en mode one again, et puis... Ils ont gagné contre les Inzeria eSport, un truc comme ça. Désolé pour bâcher le nom de la structure ou de l'équipe. Ils les ont battus, puis après ils sont tombés directement contre nous. Donc si je ne dis pas de bêtises. Et voilà quoi, finalement on a fini seed 1, donc c'était sûr que
Et voilà, il fallait pas s'attendre à grand chose s'ils avaient pas TS et tout. Enfin bon, en tout cas, j'ai aimé le comportement de certains, genre Tony Jaa qui était super cool, qui était très sympa. Mais il y en a certains qui ont rechigné, qui ont dit que commençaient un peu à critiquer TF eSport, enfin TF eSport, l'eSport Titanfall, qui ont critiqué les joueurs Titanfall, etc. Je pense justement à Rocksize, qui disait ouais, pas de shoot. Joueurs Titanfall ont pas de shoot, mais bon. S'ils pensent que sur code ça se joue. C'est comme sur Titanfall, c'est comme sur code. Effectivement, ça ressemble beaucoup au niveau du gameplay. Mais finalement, sur code, tout le monde peut avoir du shoot. C'est pas très compliqué d'avoir du shoot sur Titanfall non plus. Sauf que le truc, c'est que ça bouge beaucoup. Et que c'est pas un code où c'est un peu lent, où t'as pas des. Suivre un ennemi et tout, c'est un peu plus facile. En plus, il y a plus de barres de vie. Pour moi, je pense vraiment que ce qui est important dans ce jeu, c'est les mouvements, c'est-à-dire de sauter, de tout ce qui est réflexe, de courir sur les murs. Tu vas jamais, tu peux tirer sur quelqu'un un peu statique comme là par exemple je le fais, mais normalement tu vas toujours chercher à être en mouvement parce que lui, plus t'es en mouvement, plus il aura de mal à te tirer dessus. Enfin, voilà. Ça, là par exemple, je suis en mouvement, je me suis fait enculer, mais c'est autre chose. Sinon, ça c'était juste le comportement que j'avais pas trop aimé. Si je réfléchis comme ça, il n'y avait pas d'autres choses à dire. J'avais donc soi-disant, comment dire, ces joueurs de code qui étaient venus, ils ont donc comme j'ai dit, Zankyo et tout, ils étaient très sympas, mais ils avaient donc cette impression qu'ils géraient les duels, enfin, ouais, je vais pas nous appeler, mais j'ai regardé le score et puis voilà, moi aussi quand j'ai recommencé, j'avais l'impression d'être pas mauvais en duel et tout, mais je me faisais éclater, j'avais du mal et maintenant je commence à reprendre et tout, donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Il faut se reprendre les vieilles habitudes, les bons réflexes, etc. Et puis voilà. Donc, sinon sur ce tournoi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Franchement, donc on a fait un stream, ce qui est si on parle juste des viewers d'abord, on a eu le samedi, parce que c'était en 2 jours, on a eu jusqu'en demi-finale, on a eu tout le samedi à jouer, donc c'était les derniers matchs justement contre les joueurs code. Franchement, on a aussi GG à eux, c'était sympa d'avoir participé, j'ai pas envie de les quand je parlais avant, j'ai pas envie de les rabâcher ou quoi que ce soit. Juste que voilà, quoi, j'ai dit un peu des choses qui m'ont déçu, mais c'était des gens qui étaient pas très malins peut-être, qui étaient un peu rageux, tout simplement. En tout cas, Tony Jaa, Sankyo, qui étaient sympas, donc pas de soucis. Ce que je voulais dire, c'était les rediffusions, donc est-ce qu'il y aura des rediffusions sur ma chaîne? Je suis désolé, mais je pense que ça va être assez compliqué. Le souci étant que. En fait, j'ai. D'abord, le samedi, on a fait du listening avec ma webcam. Mais le dimanche, on a eu un commentary par S8 par-dessus. Et en fait, moi, je n'ai pas. Enfin, lui non plus, il n'a pas les VOD des streams. Donc. Voilà, c'est pas. Je peux poster les gameplays, j'ai des gameplays, mais en même temps c'est de mauvaise qualité parce que j'avais pas mis mon Elgato à fond et tout. D'ailleurs, je peux aussi poster les gameplays du match contre les joueurs de code ou les autres matchs du samedi. Le souci aussi étant qu'on veut un peu protéger nos soi-disant nos mouvements. Autant le samedi on a joué un peu à la ZOB parce que on voulait pas justement trop montrer en listening nos stratégies. Alors du coup, on a joué vraiment comme ça. On joue un peu chacun les mouvements, on joue des zones, et puis on se débrouillait comme ça. Et le dimanche, par contre, justement, on aurait bien voulu garder un peu les mouvements qu'on a mis en place, pas les montrer à tout le monde parce que c'est déjà arrivé que des gens regardent nos gameplay YouTube et apprennent où sont nos mouvements. Il y a même sur Smuggler's Cove. Les socs qui appelaient justement un top qui s'appelait Top Panix. Donc du coup maintenant nous on l'a pris aussi, ça nous a fait rire, mais voilà, c'est comme ça. Sinon je vous tenais aussi à vous remercier parce qu'on a eu 130 viewers le samedi,
Je crois que le dimanche, on a eu à peu près 60-70 viewers. Franchement, très cool. Je pensais aussi tous les gens qui suivent de l'Infamous. On a eu beaucoup de retours positifs sur Titanfall, des équipes qui veulent se mettre à Titanfall. Donc, franchement, un grand merci à vous tous. En tout cas, moi j'aurais tout dit sur cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous pensez. GG en tout cas aux XS. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être au courant des news plus rapidement, ainsi que sur Facebook. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao!